السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم في هذا فيديو إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفو شابيتر المتعلق بالتكنيك أفونسي الخاصة بجي اس بي دونك شفنا قبل لونغاج ديكسبريسيون اللي كي بيغمي دو مانيبولي لي دوني دو فاسون بلو ناتوريل ودابا وشفنا قبل أوسي لي زاكسيون بيرسوناليزي افيك لي بينز أو بيان جافا بينز و مانتونون غادي نستعملو واحد الحاجة سميتها جي اس تي ال اللي هو عبارة عن Uh, GSP standard tag Library il a une bibliothèque standard de balis GSP, a été développée pour répondre à la plupart des besoins et procure déjà un grand nombre d'actions très utiles et très intéressantes. Alors, uh, maintenant, on va voir les langages d'expression avec le L ou bien GST. Donc, on va voir une autre, la spécification ou bien la différence, c'est ça. Euh, surtout la syntaxe donc qu'est-ce que nous on a de l'expression el les casques budapest budapest avec l'expression l'expression diane l'expression donc tout simplement on a une expression el on a de l'expression diane on a de l'expression donc on a une expression el les par exemple il a on l'expression le code d'eli ratios correspondant à l'expression les semnara avec GSP Donc, pas les constantes littérales, c'est pas les constantes littérales. Donc la syntaxe EL comporte plusieurs types de constantes littérales qui peuvent être employées dans les expressions. Elles a soit les valeurs, les valeurs booléennes, les valeurs booléennes, et on a true ou or, or false. Et aussi Edna les chaînes de caractères, de caractères. Aussi Edna les valeurs entières, entières. Aussi Edna les valeurs réelles. Et aussi les valeurs nulles. Donc, tout simplement, les constantes littérales. Alors, les opérateurs euh, sont les mêmes. Yani, les opérateurs arithmétiques, la division, le module, euh, les relations, soit école euh, ou bien navigation, ou bien supérieur, ainsi de suite. Et Aussi, les opérations logiques, et logique ou bien le and logique ou or. Donc, sont, les opérations sont, sont les mêmes. Alors je pense un enrichissement de après l'exemple de l'application DNA ben je m'incanter mais avant, chose chose, les objets implicites donc les objets implicites les expressions EL ont accès ont l'accès à les objets implicites donc la plupart sont les mêmes que ceux ceux disponibles dans les scripts les displays, les chiffres, ou bien les expressions GSP. Donc, les expressions EL, et quand accéder aux pages page context, je les vous dire que c'est page contexte, ou bien page scope, ou bien request scope, ou bien session scope, ou bien application scope, ou bien param, ou bien param values, ou bien header, ou bien header values, ou bien cookie, ou bien init param. Donc, ce sont des objets implicite. Alors, on va commencer que le mot de est euh, la gestel. Donc, je directement la présentation, on quel que mot est la gestel. Alors, je me sens que la gestel est GSP standard tag library mis à disposition, mis à disposition du développeur des balises pour accomplir la plupart des tâches qui doivent être réalisées avec la GSP. Donc, il y a un euh, ensemble de standards qui contient plusieurs librairies. Nous avons un système qui est le code. Donc, je vais vous parler standards. Alors, il y a le corps, le format, le XML, le scale, le function. Nous avons euh, plus de détails sur les applications. Donc, le corps qui est libre, GTL slash corps, GTL FMT lié le format, gstl XML lié XML, GTL slash SQL lié SQL, gstl function lié function, ou leur a le préfixe qui est consommé là Donc, on va voir maintenant le corps. Le corps est pour déclarer les variables, ou utiliser maintenant le foreach, ainsi de suite. On va voir ça en détail. Alors, on a aussi le XML, on a l'internationalisation. Nationalisation est pour internationaliser. واحد لوكاليزاسيون و بيان ديت لا دات و بيان الفورماتين بصفه عامه كنستعملو فيها واحد بريفيكس سميتو اف ام تي و سي عندنا الاس كيو ال بور مثلا اكستراير واحد لا طابل من لا باس دو دوني او سي لي فونكسيون بور مثلا نستعملو واحد لي فونكسيون بريميتيف دونك آه دابا ليوتيليزاسيون ديال جي اس تي دونك بروميرمون خاصني اش يكون عندي في الاباتش ديالي ou les jars de lgstl. Donc gstl.jar ou bien les standards.gstl. Au tout la version compatible avec le gstl est un Donc, il y a un SML, gsp2.0, donc il y a un SML compatible avec le lgstl. Alors, il y a plusieurs méthodes pour euh, obtenir et installer les gstl. Alors, il y a un SML, le tomcat le donc Uh, بالنسبه لجي تي ال كيفاش غنستعملوه دونك كنتيك كنديكلاري ايتيزاسيون ديال واحد تاغليب هي هذه كندير بورسونتاج ات تاغليب البريفيكس ديالي اللي غنستعملو هو سي وكنحط الاي ار اي اللي هو هذا تو سامبلومون كنحطو في لو كود ديالي في لا باج جي اس بي وكنبقى نستعمل هذا لو بريفيكس الوغ باريكزومبل ها هو لو بريفيكس سي سيت فار هاد لا فار هادي ايت اون فاريابل دونك ملي كندير سيت فار دونك هاد يوزر اي دي راه تولي عندي فاريابل والسكوب اللي جايه منو هو سيسيون والفاليو ديال هاد الفاريابل هي اش البارام بوان فيلد اي دي هاد فيلد اي دي غيكون هو الانبوت دونك تو سامبلومون هكدا كان انيسياليزي واحد الفاليو في الـ في الـ في الفاريابل ديالي دونك تو سامبلومون الا بغيت نريموفي مثلا هذيك لا فالور من سيسيون كندير سي Remove var user ID scoop scope ce chaque session. Alors un exemple, un autre exemple, par exemple un direct point encore URL ou le page spdl link. Tout simplement équivalent dire la GDL ou assez du point URL. Qu'est-ce qu'on dit au head tag l'utilisation de l'URL. Alors pas l'importation la même chose. la mais quest donc, c'est très simple l'utilisation de l GSTL et ça nous facilite la mémorisation. Et pour le GSP, on peut l'utiliser en même temps. On peut utiliser GSP et GSTL sur la même page. Alors, le FOREACH est pour euh, faire une boucle permet de réaliser une itération sur les containers. Donc, par exemple, il on va mettre FOREACH sur la table. Donc, on va déclarer cet IDEM qui va nous permettre de récupérer la valeur. اترافير واحد مثلا هنا جي اس بي كوماند بوان اللي هي اون كاينه في لاباز دو دوني ولا واحد البين في الكود ديالي دونك اه نستعمل او عندي لا يعني البا يعني لانكريمون مثلا با ب و او سي لا فالور اكزومبل واحد لابوكل مثلا اه سوا مثلا بوكل بحال قلنا طابل دو ميتيبليكاسيون نستعمل هاد فور و افيك البيجين و الاند بالنسبة الفور توكنز اللي هي اللي هي كتسمح ليا نستعمل يعني الليبراري اللي كنا استعملنا فيها باش نكونتيو لو نومبغ دو مو اللي كاين في واحد شين دو كاركتر سترينغ توكينايزر والفاريابل ايتمز و يعني يعني ديليمي ديليميتور chaîne de caractères. Donc, c'est la même chose, for tokens ou bien C# string tokens ou euh, point chain. Les regardons chaîne de caractères, la décomposer via les modules Donc, tout simplement, avec l'utilisation de for tokens, on peut décomposer la chaîne de caractères yani, et euh, yani, avec, euh, yani, avec une manière très très facile, blement euh, C# la méthode string tokenizer point chain, les connaissez Alors. Donc tout simplement un exemple de tokens maintenant var code lem quand c'est amélioré ou a le product code le virgule. On the aussi les test core if par exemple si if au test dli il est capable de le test faire ça il a maquench out aussi core chose les gardes même qui on s'embloient pas, pardon, switch. Et aussi, adn a un exemple. Voilà un exemple. Et aussi, on importe import Et tout simplement. C'est facile. parce n'incluté au inclus le fichier. Voilà. Six points import leur lvieli includes. Celle slash header ainsi de suite. Alors, par rapport au gestionnaire XML, c'est très facile. Il suffit utilisation des tag كيف قلنا جي اس تي ال سلاش اكس ام ال فوالا بار اكزومبل هذا بيرسون راه واحد واحد البين عندي في ال في, ال في الكود كنستعملو دونك هادشي ديجا ذكرناه فوالا voilà. بالنسبه لجي اس تي ال اس كيو اللي هي مهمه جدا غادي نستعمل اش خاصني اول حاجه نستعمل واحد الحاجه سميتها كونتكست ال ونحط وسط منها ريسورس ونستعمل لو ال نو no اللي غادي نبقى نستعملو aussi le username, le password, le url, le radicole config jdbc ou driver class name, le radicole com point mysql point jdbc point driver ou après le radicole sql hash, hérité que le préfixe sql est semé. Alors voilà donc tout simplement il une sql hash hérité que le sql donc cette data source le radicole hash data source y est le nom les déclarer le contexte après quand il y a des queries directives et je par exemple SELECT ALL FROM customer WHERE مثلا, one any all. Tout simplement à déclarer la table ou bien on va sauver la table à travers le forage. Voilà ce qui fait la partie de geste.